Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est la dernière partie du tuto du mini-album sur le thème de Paris. Donc la première vidéo c'était tout ce qui était la structure et la réalisation de mes embellissements. La seconde, donc celle d'hier, c'était plutôt tout ce qui était décoration de mes pages. Et là aujourd'hui, ce que je vous propose de voir ensemble, c'est la réalisation de la petite boîte que j'ai réalisée à l'intérieur de mon mini. Donc comme je vous l'ai expliqué hier dans ma vidéo sur la réalisation et la décoration de mes pages, en fait j'ai fait un peu deux mini-albums dans un seul même mini, c'est-à-dire que j'ai fait, on va dire, un mini avec les trois anneaux de classeur, et j'en ai fait un second, entre guillemets, dans une petite boîte en fait que j'ai réalisée en fait sur la partie gauche de mon mini-album. Donc pour ce faire, j'ai utilisé en fait l'un des papiers de la collection de mes petits ciseaux French Kiss, et du coup j'ai réalisé une boîte ouverte en fait sur le bas de la couverture. Alors j'ai mis un certain temps avant de trouver les bonnes mesures et de réfléchir mentalement en fait, et aussi de visualiser en 3D la boîte en fait, parce que c'est pas forcément évident quand on crée ça avec nos mesures, etc. Puis même je voulais aussi vous proposer un schéma qui soit correct et qui soit valable en fait, qui soit valide aussi. Donc du coup j'ai réfléchi un petit moment, au moins une bonne demi-heure, pour voir quelles mesures j'allais pouvoir faire, etc. Et au bout d'une demi-heure, j'ai trouvé. Donc en fait, la boîte, elle va faire... Enfin, elle fait... alors, 9 cm de longueur sur 6 cm de hauteur. Et une profondeur de 2 cm pour pouvoir incorporer un petit livret que je vais réaliser juste après. Sauf que pour faire cette boîte, bah, bien sûr, faut d'abord la faire en 2D. Et donc du coup, faut passer du 3D au 2D. Donc c'est pas forcément évident, et voici le schéma que j'ai retenu. Donc en fait, pour pouvoir réaliser la boîte, il faut d'abord tracer, enfin du moins découper un rectangle de 16 par 10 cm. Sur la longueur qui fait 16 cm, on fait un pli à 1,5, un autre à 3,5, un autre ensuite à 12,5 et ensuite un dernier à 14,5. Donc en fait, les deux extrémités sur la largeur de 16 cm de ce rectangle, ça permettra en fait de faire les rabats pour pouvoir coller cette petite boîte en fait sur la couverture du mini-album. Et ensuite sur la largeur de mon rectangle, donc sur la largeur de 10 cm, j'ai fait un pli à 6 cm et un pli à 8 cm. Et pareil, donc là sur le bas de ma boîte, en fait sur la petite partie orange que vous verrez, enfin vous reviendrez du coup en arrière pour voir le plan de la boîte. En fait il y a en fait le bas de ma boîte qui fait aussi 2 cm, et en fait j'ai fait un rabat de chaque côté de 1,5 cm pour pouvoir coller tout ça sur ma boîte, et aussi renforcer tout ça. Alors une fois que tous mes plis sont réalisés, donc ça je l'ai fait, j'ai juste découpé les petits rectangles qu'il y avait aux extrémités en bas à gauche et en bas à droite de ma boîte, puisque cela ne me servent pas et justement ça me gêne du coup dans la fermeture de la boîte. Donc du coup je les ai découpés, et comme ça j'ai pu assembler ma boîte ainsi. Pour faire la décoration de ma boîte, alors avant de la coller, je vous conseille quand même de décorer la boîte, enfin si vous le souhaitez, avant de coller, comme ça ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir décorer tout ça. J'ai utilisé un nouveau dice de la Fée du Scrap, qui est le dice bordure. Et sur ce dice bordure, il y a une bordure où il y a une sorte de paysage de village ou de ville. Et donc du coup je l'ai utilisé par deux fois, un en arrière-plan et un au premier plan. Celui au premier plan, je l'ai monté sur mousse 3D pour donner un peu plus de relief et donner l'illusion de profondeur en fait. Et donc voilà, donc du coup j'ai fait ça avant de coller tout ça sur le fond de ma couverture. Pour coller ma boîte, donc pour coller mes rabats ensemble et aussi coller la boîte sur la couverture, j'ai utilisé du scotch double face de chez Rayer, qui est un scotch double face qui est, je pense, extra fort, et j'ai jamais été déçue par ce scotch là
quand je devais faire des travaux où en fait j'avais peu d'espace et où comment et où j'avais besoin de d'avoir quelque chose qui tienne correctement. Après, je pense qu'avec de la colle Cléopâtre ou de la colle Turbo, je pense que ça colle tout aussi bien. J'ai pas testé, mais du moins que le scotch double face, pour moi, ça me suffisait. Voilà. Donc voilà du coup l'allure de ma petite boîte qu'est à l'intérieur. Donc vous voyez, du coup, ça permet en fait de remplir mes 4,5 cm d'épaisseur qu'il y a au niveau de mon mini-album. Donc voilà, du coup, c'était un peu aussi un stratagème pour dire de pas faire non plus trop de pages au niveau de comment au niveau des anneaux, puisque du coup bah, les anneaux ils auraient été trop petits pour le nombre de pages que je voulais faire, et ça permet aussi de varier aussi un petit peu. Pour réaliser le livret que je mettrai du coup dans la petite boîte, j'ai réalisé 3 feuillets, donc sur des pages enfin franchement multitechnique de 250 grammes, pas besoin forcément à ce qu'il soit trop épais. Après, ça dépend du travail que vous voulez faire, mais là pour le coup, c'était pas quelque chose, enfin un travail où je voulais utiliser de l'eau, etc. Donc, un papier de 250 grammes, c'était suffisant. Donc, j'ai réalisé 3 feuillets de tailles différentes. J'ai réalisé 2 feuillets de 14, non, de 16 par 12 cm. Sur la longueur de 16 cm, j'ai fait un pli à 8 pour faire un livret. J'ai fait deux fois, enfin j'ai fait 2 livrets avec ces dimensions-là, et j'en ai fait un troisième de 14 par 12 cm. Et sur la longueur de 14 cm, j'ai fait un pli à 7. Alors au départ, je voulais vraiment que mes livrets aient tous la même taille, mais avec les chutes de papier que j'avais. Voilà, j'avais une longueur maximale de 14 cm, donc je me suis dit que j'allais garder ça, et donc du coup ça permet aussi d'avoir un peu de dynamisme dans le livret. En fait, le livret aussi, c'est un prétexte pour moi pour utiliser mes chutes de papier, puisque comme tout le monde le sait, quand on fait des mini-albums, on a beaucoup 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 de chutes de papier, et en général on les utilise pas forcément. Donc du coup là le livret que je mets dans la petite boîte me sert en fait de stock de chutes de papier, et ça me permet justement de pas avoir trop de chutes. Là honnêtement sur les papiers que j'ai utilisés, alors il y a juste un papier que j'ai pas utilisé du tout dans la collection de mes petits ciseaux. Je crois qu'il me reste, sans mentir, je pense qu'il me reste genre 4-5 chutes de papier, mais des grosses chutes de papier, donc je peux dire de les utiliser dans des pages, dans d'autres projets, etc. Donc voilà, du coup, le fait de faire ce livret-là, ça permet aussi de retirer en fait les chutes de papier qu'on peut avoir. Je vais vous laisser en musique là, parce que là ça va être tout ce qui est décoration des pages, etc. etc. Ça change pas du même style, enfin c'est voilà, c'est au niveau du style des pages, c'est le même style que la fois précédente. Donc voilà, je vais vous laisser en musique, et puis je vous récupère du coup à la fin de la vidéo pour vous dire au revoir. Bon visionnage!
terminé, enfin, j'ai envie de dire. Donc, ouais, donc là, y avait vraiment beaucoup, beaucoup de travail sur ce projet. J'espère que ces trois vidéos tuto vous auront plu au fil de ces 3 journées. En plus, comme c'est le National Scrapbooking Days en ce moment, du coup, c'était l'occasion du coup de vous proposer un petit mini. Alors, j'ai pas fait exprès pour ça, mais c'est vrai que du coup, l'occasion faisait que ça tombait bien, entre guillemets. Si jamais vous avez des questions sur les techniques, sur du matériel que j'ai utilisé ou même sur autre chose, faut pas hésiter à me les poser en commentaire ou alors à m'envoyer un petit message sur Instagram, ça ferait plaisir de vous répondre. Et voilà, j'espère que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration, tout ça. Voilà, je vous laisse avec les photos de la fin et je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt et prenez bien soin de vous. Allez, au revoir.